Effectivement, je suis pas sociologue, je suis pas journaliste, je suis pas philosophe, donc c'est pas un livre de chiffres, de données, de théories, c'est vraiment un livre de ressenti. Je vois bien que ça colle pas, je vois pas qu'il y a un problème pour les femmes, et j'ai l'impression que le plus important, c'est pour que toutes les femmes puissent agir, c'est les modèles, les représentations, les images, qu'est-ce qu'on a envie d'être, de faire, et que donc pour ça, les mots sont très importants, les mots et les images. Qu'est-ce que la publicité, le cinéma, les médias en général, la radio, qu'est-ce que ça nous transmet? Qu'est-ce que la langue française nous transmet? Quand on dit c'est la journée de la femme, par exemple, voilà, on a arrêté de dire le juif, le noir ou l'arabe, c'est très bien d'arrêter de dire la femme, il n'y a pas une femme, il y en a des millions, des milliards, on est toutes différentes, et on n'est pas réduites à notre sexe. Il n'y a pas un événement précis qui m'a donné envie d'écrire ce livre, pas de déclencheur. C'est monté petit à petit, en fait c'est Frédéric Lopez qui était mon patron sur France Inter qui m'a demandé d'écrire sur mes colères. Il trouvait que j'étais très drôle quand j'étais en colère, donc il m'a dit écris sur ce qui t'énerve. Et je me suis aperçue au fil de mes chroniques que ce qui m'énervait c'était toujours dû à mon sexe. C'est parce que j'étais une femme que je me retrouvais dans cette situation qui m'énervait. Et donc à force d'observation c'est devenu une réflexion. Et puis quand on ouvre la porte d'une cause, d'un combat, d'un problème, après tout vous tombe dessus, quoi, comme un placard mal rangé. Donc là, les sujets, maintenant, ils me tombent dessus, malheureusement, tous les matins. Le dernier sujet qui m'a mis hors de moi, et je regrettais que le livre soit déjà sorti, parce que vraiment, j'aurais aimé en faire un chapitre, c'est ce sondage atroce qui est tombé, qui explique que, par exemple, 24% des Français, c'est à propos du viol, qui explique que 24% des Français pensent que si la victime était habillée sexy, alors le violeur est moins coupable. Et l'idée, c'est qu'elle l'a bien cherché. Et donc, les chiffres sont atroces. 75% des Français estiment que quand c'est le conjoint qui force sa femme, c'est pas un viol, parce que c'est son mari. Donc c'est pareil, encore une fois, elle l'a bien cherché. On estime aussi que si c'est en boîte de nuit ou si elle connaissait son violeur, alors c'est pas vraiment un viol. Et puis il y a cette expression que je n'arrive pas à comprendre, on parle de tentative de viol. Je vois pas comment... En fait, c'est un viol ou c'est pas un viol. Tentative de meurtre, d'accord. Mort, pas mort. Mais tentative de viol... C'est quoi? C'est si on met qu'un demi-doigt, on sait... Non. Enfin, je veux dire, même un doigt dans l'oreille, c'est un viol. La moindre attaque physique, l'intégrité physique d'une personne, qu'elle soit un homme ou une femme, est un viol. Et gravissime.